Et attendez non, choléra ou diversion. Qui s'allie là dans deux? Ministère de la Santé publique et de la population, yo sorti note, yo dit yo recensé plusieurs cas de choléra. Médecins sans frontières, yo dit yo recensé plusieurs cas de choléra. Même ces questions me poser, oui, me pas connait non. Me demande est-ce que c'est choléra ou bien diversion? René Laurent la mode gen rapport pour le ban nous sous question Majescore. Firme canadienne nous songe qui était responsable pour faire exploitation mine d'or nous gen en Haïti. Rien pas qu'on dit pas vrai. Nous gen quelques temps là, pas vrai? Et mesdames messieurs, c'est tout de suite après environ 2 à 3 ans de tremblement après tremblement de terre là. Nous pas aucun détail non? Restez là, nous va parler, nous va faire suivre mesdames messieurs, un reportage. Côté on t'a expliqué mais toute démarche qu'a fait. Et nèg yo te dit qu'il y a plusieurs milliers d'emplois qui bail. Qui résultat? Qui ça dit qui ça fait? Elle va comprendre non. Qui raison qui fait le Canada li pa chame approuver. Tendez bien. Arrivé équipement PNH te commandé. Qui raison? Qui vraie raison? Nous sommes ça qui plus passé moi. Ambassadeur Canada en Haïti, monsieur dit oui, il est d'accord. Oui, le Canada a approuvé. Dans un premier temps, nous tous nous songé, on était bloqué. Après ça, on dit, on va me lever. Hey, on y est pour que j'aime qu'a fait. Ensemble, mesdames, messieurs, nous allons chercher quelques raisons. Nous allons analyser. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça qu'a fait. Nous comptons ensemble avec vous. Ces amis, ou frères, Esdras Fizeme qui entre la caillou. Et Chanel, là, c'est Haïti Réflexion. Moi, comptons ensemble avec vous. Nous espérons que vous pourrez passer une semaine d'informations ensemble avec nous. D'ailleurs, on est déjà le meilleur côté pour jouer d'informations. C'est là. Ok. Restez là, mesdames, messieurs. Chanel, là, c'est Haïti. Réflexion, amis qui avec vous. C'est Esdras Fizeme. Ou même, c'est pour la première fois que vous avez tombé sous nous. Activez cloche notification. Kounya la même. Ça veut dire abonnez. Et c'est ça qui permet ou toujours rester connecté à tout ça qui a passé. Restez connecté ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Pas déplacer nous. N'ap tourner. N'ayons pas de dans un seul bruit, un seul courri, Haïti gen choléra. Moi me pose question, choléra ou diversion, qui ça lié? Pas oublier en 2010, le choléra te paraît quand c'était moun mouri. On quand c'était moun mouri à choléra, d'ailleurs c'est une grosse épidémie etc. On a moun a posé question qui ça qui était à la base choléra et nan mesure te vin ap mande yo vous comprenez c'est presque même j'avec coronavirus distanciation etc. quand te moun pa collé faut éviter parce que son microbe te ki tout ça kounya jodi la pa blier gon rapport te sorti qui dit zéro cas choléra en Haïti yo neutralisé le net pas rien que son choléra en Haïti kounya pa ki miracle choléra vient paraître là encore. Tenez bien, s'il vous plaît. On comprend. Yo identifié, yo dit Martissant, Cité Soleil et puis Carrefourfeuille. Yo dit trois côtés ça yo, c'est là yo. Yo identifié plusieurs cas, yo recensé plusieurs cas de choléra. Mesdames, messieurs, pas oublier n'a fait face avec une série de nèg. Yo c'est des stratèges. Et c'est moun ki pi fort nan fait diversion. Tendez bien. M'ba écarté possibilité pour ta gen choléra. Mais écoutez, songez, le te gen choléra gon raison fait te gen choléra et pas ça. Nou pa jam gen choléra nan histoire nous. Ces soldats ne palais ou te vini là qui te ba nou choléra. Ça c'est youn. Si nous neutraliser zéro cas de choléra, c'est une fin avec choléra. Koun ya kote l sorti. Ou ka dim, ki kote l sorti? Comment nous faire gagner? M'ba un expert en santé. M'pa approfondi trop nan niveau ça. M'ba épidémiologiste. M'pa avancer, mais seulement m'ap di nou. Nous tellement konnen nèg ici fwa nan diversion. Nèg yo ka simuler des cas et puis yo di nou gen choléra en Haïti. Est-ce que vous avez bien ça, m'dou là? C'est ça que m'dou toujours dit. Ou même qui c'est téléspectateur, ou c'est auditeur, ou même qui c'est fanatique, m'dou toujours dit ou obligé veiller. Prends au mot, s'il vous plaît. M'dou m'dou suivre moi. Parce que yon nèg là, pas de problème pour simuler des cas. Tant que coronavirus. L'autre est de tap dit ou quand c'est moun de coronavirus, c'est tout menti.
C'est tout mensonge intérêt. Bon, on comprend. Comment corona fait que ça disparaît en Haïti? Pendant ce temps, et tout le temps qu'on a annoncé de cas 3, 4, 10, 4, 20, 4, 35, 4, 200, 300. Yon n'y crée comme ça, floupe yon descend. Pabliye nous en affaire avec une république de coquins. Songez ça. Son bon coquin. Et il est clair, mesdames, messieurs, nèg sa yo, yo ka fait tout bagay. Quand il s'agit pour yon faire l'argent, quand il s'agit pour yon faire diversion, ils sont capables de tout. M'a vlo minimiser nèg sa yo du tout. Non, hein. Ok? M'a vlo minimiser yo. Parce que yon gen capacité, yon gen maturité pour yon déclencher des hostilités. Et nèg sa yo, mesdames, messieurs, yon ka metto devon se de fête accomplie dans tête ou ap pose sa yo bon la élite vérité ya. Qui côté choléra sa sorti? Là, il te paraît en 2010, étude yote wè, se soldat ne palè yote te banou. Kounya la kote il sorti. Manifestation lancé, plusieurs mouvements lancé, et pendant plusieurs semaines pays lok. Maintenant, si yon choléra en Haïti, ah mon cher, tout moun bral veye derrière. Ou comprenez ça? Depuis que choléra, ou te de annoncer choléra, ministère de santé publique qui a sorti une première publication, biou, li qui a dit, comme si li qui a sorti une première note, oui, ou détecté que choléra, tout le monde va lever derrière. Ou pas comprendre ça? Au lieu pour moun yo ta faire manifestation, c'est pile clore que ça promet la kayo, lave tout ko yo. Ou comprendre ça? M'dou nagisit, pa bli toujours dit, pas jamais ba yo la communion sans confession. Ceci n'empêche pas cela. Ça a toujours arrivé qu'il y ait un choléra vrai en Haïti. Ok? Je ne vais pas écarter possibilité. Même si on a ici tellement coquin ou pas qu'à croire comme ça. Et c'est ça que fait. N'a continué à suivre. N'a continué à garder pour nous. Est-ce que réellement, c'est cas de choléra lié? Parce que yo dit Carrefourfeuille, yo dit Cité Soleil, et puis yo dit Martissant. Donc yo prend trois espaces ça, trois endroits ça, trois zones ça, yo dit c'est là yo détecté des cas de choléra. On attend, mais pas oublier. Nous dit c'est tellement coquin. Si moi Laurent Lamotte ca sorti tweet pour Laurent Lamotte démenti ou bien tenté démenti pour me se faire connaître, ça va jamais arriver comme s'il pas signé aucun contrat avec aucune compagnie, aucun film à l'étranger pour exploiter mine. Bon, faut vivre un reportage, mesdames, messieurs. Bah, yon grave, oui. Ou an nèg isit? Même celle-là, m'a dit, ou an gou paquet nèg la? C'est ça que, ou an gè problème avec, m'gè moun kap gè problème avec, m'pou position. Moi, m'a toujours dit ça. M'se journaliste, m'pa ka fanatique. Bravo à ou même qui ka fanatique, c'est wall ou pou fanatique. Moi, m'pa ka fanatique. M'a obligé à analyser, mettre bagage à la jolie. Ou an de pou moun kouche, m'dressel. Pour crime, pour mal, on sait de nek de koulon la mode fait pays ça. PHTK, pour j'en moun sa ou tap coupé, rache, gaspiller l'argent l'État. Yo si on sait de contrat. L'autre tete de nek yo tap di ou. Et il dit open for business, mais salte yé. Nek yo si on sait de film étrangère, yo te pren. Yo vini là avec yo en Haïti. Avec comme ça yo. Nèg yo prend l'argent yo gagoté puis tout film ça même y a pas exploité tout ça rien comme richesse comme son sous nouyé yo pas ka tari nous et c'est ça que fait nous toujours kimberi on va le montrer mesdames messieurs kounyo regarde prend son reportage là c'est en français mais prend son prend temps pour tendre et grand si mounouyé ou gon mot sous français rete camper rete tendre pour ou a dit me sois penser après même. Trois ans après le terrible séisme qui a ravagé Port-au-Prince, Haïti tente de se reconstruire. Le pays, qui est l'un des plus pauvres au monde, tente de relancer son économie à travers notamment le secteur des mines. Deux entreprises canadiennes ont obtenu des permis d'exploitation et font le pari de redémarrer la production minière. Reportage de Sébastien Saint-François. L'heure haïtienne n'est pas très loin de Port-au-Prince, mais l'avion est nécessaire pour s'y rendre. Et aussi, une heure et demie de route. Une fois arrivé près des montagnes, rien ne sort vraiment de l'ordinaire. Pourtant, ces images sont les premières de ce qui pourrait bien être un Eldorado haïtien. On espère que la production minière s'ouvre et dans notre département,
et juste pour qu'il y ait un avenir prometteur pour notre pays. On est tellement, tellement contents. C'est incroyable. Ça a pris beaucoup de travail et beaucoup de temps pour se rendre à ce point. Et on a très hâte à l'avenir. Daniel Haché sait ce qu'il trouvera sur le site de la future mine. Jusqu'à 570 000 tonnes de cuivre, de l'or et bien d'autres métaux. Les explorations confirmant la présence des minerais remontent aux années 70. Même si personne n'a pu mener à bien un projet de mine pendant toutes ces années, la géologie de l'endroit ne ment pas. Le gisement fait partie d'une zone particulièrement riche qui s'étend du nord-est d'Haïti jusqu'en République dominicaine. L'ouverture d'Haïti aux minières fait saliver le gouvernement. So it creates jobs in the region, and most of all, it creates hope. Le gouvernement emploie déjà un maximum d'Haïtiens, dit le ministre. Avec 65 000 employés gouvernementaux, nous avons besoin de compagnies privées pour créer des emplois supplémentaires. Une autre raison explique l'enthousiasme du gouvernement. La convention signée avec la minière stipule que les profits seront partagés moitié-moitié. Il y a bien des gens à d'autres places qui vont dire « Wow, c'est beaucoup ». Oui, mais de toute façon, de l'autre sens, il y a beaucoup là. Alors, tu sais, je veux dire, en termes de la compagnie elle-même, c'est très bien pour nous et nos actionnaires. Le département et le pays auront bien besoin des quelques centaines d'emplois qui seront créés par la future mine. Le pays, faut-il le rappeler, a un taux de chômage qui avoisine les 50 %. Est-ce qu'on comprend? 65 000 emplois. Où si vous entendez? Où si vous bien entendez ça que dit? Mesdames, messieurs, je veux comprendre. Ici en Haïti, et ça que moi même toujours dit, Haïti représente aux yeux du monde une véritable vache à lait. L'Afrique en général. Souvenez ta vache à l'ailier aux yeux du monde. Et c'est ça qu'il faut, ouais. Yo collé dedans, yo sous nous comme ça. Yo va pas prendre nous ça, yo va pas dire nous li. Histoire pas dire nous que nous avons été appauvris. On n'est pas pauvre. On a été appauvri. On nous a appauvri. C'est retirer, yo retirer dans mais nous tout ça de gagner. Nous n'avons pas toujours été ainsi. Bah yo pas même jonté wè la. Ou ap levé, ou ap gade état un pays et puis on gagne toute richesse ça. C'est comme si nous coucher sous richesse, n'a dormi sous richesse. Richesse là. Si yo té remé nous, tant que n'a pas tendé déclaration comment il s'appelle Justin Trudeau gouverneur ou encore premier ministre canadien, l'homme se parle comme s'il montrait Il y a travail pour capable porter un avenir meilleur pour Haïti. Il y aurait mon comme ça. Il y aurait mon comme ça et puis il quitte dans crasse ça là. Et il a dit raison si a témoigner l'amour pour. Il a dit raison pour témoigner lui parce que son vache à l'air pour yo. Ou représente une fortune pour yo. Monsieur j'aime des déclarations et Justin Trudeau et côté monsieur t'a parlé de monsieur t'a dit mais tout engagement mais tout ça on va le faire pour Haïti monsieur j'aime des gagner bon checker bon faut attendre déclaration monsieur devant conseil ONU devant conseil Nations Unies monsieur fait déclaration ça oui pour monsieur montrer le Canada prend le travail au profit d'Haïti en faveur d'Haïti entendez non décider de bâtir un avenir plus fort pour tous les Haïtiens et sur cela je souligne le rôle que les élites haïtiennes qui continue d'activement déstabiliser la population et la situation en Haïti, doivent jouer pour créer, pour participer eux-mêmes à créer une stabilité, un consensus politique qui va bâtir un avenir plus fort pour la perle des Antilles. Eh mieux. Tu vas créer un avenir meilleur pour Haïti. Eh, même yon, même quoi, yon n'a pas contredit l'autre, oui. Ou pas comprendre? Yon n'a pas contredit l'autre. Parce que, comment se fait-il pour nous avoir tout soi-disant aide ça yo? Et puis, nous toujours dans le cas ça. Et puis, il y a un député français, oui. Un député français, lui, même tout, il était allé dans la ligne pour le montrer. Dans quel niveau, souffrance, misère en Haïti, elle t'a fouetté orgueil international là. Un député français, oui,
On suit. Parce que pas bien toujours dit, c'est archive seulement qu'a prêté. Aujourd'hui, en Haïti, les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Le tremblement de terre du 14 août dernier, un mois après l'assassinat du président Moïse, a montré une fois de plus la vulnérabilité du pays. Cette catastrophe a laissé dans la souffrance des milliers de gens qui sont déjà privés des services de base. Le silence de la communauté internationale est une honte. Les droits à la sécurité, à la vie, à l'intégrité physique et psychique des Haïtiens et Haïtiennes sont constamment bafoués. Chaque jour, les Haïtiens et Haïtiennes sont assassinés par des bandits armés, bénéficiant de la complaisance des autorités policières et judiciaires. Les gangs contrôlent le pays, la population est prise au piège, les parents gardent leurs enfants à la maison de peur des enlèvements. Avec une moyenne de 5 enlèvements par jour, chaque Haïtien attend son tour. Les femmes et les filles, lorsqu'elles sont enlevées, sont victimes de viols collectifs. Depuis 2018, la justice est à genoux. La communauté internationale ferme les yeux depuis tellement d'années. Selon la société civile, le bureau de l'ONU sur place fait plus partie du problème que de la solution. C'est notre devoir de soutenir la société civile et l'accord pour une solution haïtienne à la crise pour ramener un climat de sécurité et de démocratie. Ne pas agir, c'est être complice. Merci. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? C'est une rare étranger ou étrangère qui allait dans la ligne ça. À noter, il y a aussi Daniel Foot qui lui même tout très hostile, ok, par rapport avec communauté internationale là qui soi-disant montrait à aider nous. Et ouais, député a dit là, la communauté internationale lui plus fait partie de problème là. Et c'est selon sa société civile en Haïti. La communauté internationale lui rentrait dans problème là. Au contraire, c'est lui même qui crée elle. Et c'est au même n'a demandé venir aider nous, c'est au n'a demandé solution, c'est au n'a demandé venir backup nous, n'a demandé ennemi nous venir aider nous faire plan pour nous combattre ennemi. On va comprendre. Voilà pas ouais tout ça que fait là. Le Canada dans un premier temps on dit comment fait nous commander une série de matériel pour et une série d'équipement pour la police. Pile bruit, le Canada bloqué. Kounya, faut ta poser question pour qui raison bloqué. Parce que, on dit, l'État pays a fait une démarche. Parce que, et pas bandit non qui voulait commander des blindés. D'ailleurs, les bandits voulait commander des armes, ils ont venu aussi rapide. Là, sont des démarches qui fait sur le plan étatique. Même si, m'a connu vraiment, est-ce que c'est l'État à l'État qui traitait pour ça? Parce que, c'est peut-être quelques firmes ou bien entreprise au Canada qui vendent, pas de problème. Mais le gouvernement canadien est au courant. Kounya an comprenne. Malgré toute démarche légale de l'État haïtien, Canada tellement mandé papier, bon, m'y a presse peut-être yon mandé Baptiste Desalines. Non, mais c'est sérieux. Yon tellement mandé l'État haïtien document. Finalement, yon dit ok, yon approuvé. Mais on se dit depuis qu'il a yon te dit yon approuvé. Est-ce que ce sujet depuis qu'il est? Le Canada a confirmé, il dit oui. Il va me lever, il va y accès. Qui sont en train de faire? Qui sont en train de dire là? Il y a pile bruit qui court, qui dit ouais, blende est entré, etc. Mais il vini, menti. Nations Unies sont plusieurs machines blende qui entrent là. Nous tous nous songez data. Nous tous nous songez. Plusieurs machines blende débarquent dans gros porte-avions, etc. Nous tous nous disons ouais. Mais pas nous. Pour ça, ça pour le servir PNH là. Li pa ka vini. Raison simple. Fok yo montre inefficacité la police. Fok yo montre échec la police parce que pa blye nan tête yo. Yo plus pou yo vin instaurer on force l'armée là en Haïti. D'ailleurs, y a parlé de environ 25 000 soldats là pour vin planter en Haïti. Tendez bien. Et ouais, député française l'a dit, la communauté internationale plus fait partie de problème nan, au lieu pour porter solution. Et regardez ça qu'a fait là. On me dit où? C'est pas, c'est juste un petit cal volonté, un petit cal seulement une besoin. On imagine États-Unis sont-ils aussi menacés? La France sont-ils aussi menacés? Le Canada et autres, yo ils fermé ambassade et y a demandé aux ressortissants yo quitter pays, yo mettez avion hélicoptère disponible. Pour prendre
employé yo en urgence volé avec yo. Malgré tout ça, yo pa décidé ba nou ti aide. On garde Ukraine, c'est plusieurs milliards il gen là nan mel pour le goumen contre la Russie, plusieurs milliards. Nous même ouvert tout dernièrement Victor Généus, c'est ba et contrat ou bien accord sous Massissima divine l'ital sien. C'est ça qui est important pour yo. Et Goubagem toujours me dit, il ne faut pas, il ne suffit pas de demander. Il faut demander ce qui est censé. Volodymyr Zelensky songeait, la guerre a éclaté la Russie ensemble avec l'Ukraine. Les États-Unis, plusieurs autres pays alliés, ils ont offert M. Asile. M. dit, hey, attention, la guerre est la caille liée. M. dit, comment se fait-il pour payer en guerre et puis pour m'apprendre asile? M. dit, non. Les gens qui parlent, M. dit, nous avons besoin d'armes, nous avons besoin de roquettes. Nous avons besoin de moyens pour nous gommer contre l'ennemi. Si nous venons pour mourir, nous mourir dans le pays. Là, nous avons parlé de Zelensky qui dit, je ne vais pas attendre ça. Tout le temps, nous ne sommes pas prêts pour nous gommer moyens pour nous gommer. Et mais ça qui passe. Sous pression, monsieur, finalement, États-Unis, plusieurs autres entités, la France, etc. L'immande ça le besoin. Mais nous-mêmes, combien de fois nous-mêmes, dans la place, nous avons la tri de nous demander. Combien de fois? Imaginez, nous avons agriculture qui est étalée là. Pourquoi ça ne pas demander équipement? Hein? Dis-moi non. Pourquoi ça ne pas demander équipement pour nous capables de mécaniser l'agriculture? Nou? Paysans jusqu'à présent, c'est avec vous, c'est pet yo gen nan men yo ap travay. Vous comprenez ça? Pourquoi ça ne pas demander ça que censé? Taïwan! Taïwan te ka ba nou moyen pour nous te ka gérer agriculture nous, mais nous pito apren bateau du riz nan men yo, apren tonne du riz nan men yo. Il faut demander ce qui est censé. Et c'est là nous perdu, et là nous mouri nan film nan. Parce que nous prend bol nous prend cuit nous, n'ap kemande, n'ap traîné en bas bouche. N'ap mande, mais nous pa chanm mande ça nous besoin. Et c'est ça qu'il faut, ouais. Ils ont décidé, ils ont même de leur gré. Ils ont dit, mais ok, bah, ils ont lagué ça, non? Des fois, pas de banon duri. Pas de ouais, Taïwan a banon duri. La Chine, lui-même, c'est machine ambulance, c'est tracteur, c'est char. Et ça, ils ont la République Dominicaine, oui. Nous-mêmes, à qui est-ce? Bon, nous, ton côté, nous, imbéciles. L'autre Taïwan, c'est une province de la Chine. Vous d'accord sur ça? C'est une province. Maintenant, Taïwan a fait gros canson, il dit qu'il voulait indépendant de la Chine, pas de problème. Quand nous même, au lieu pour aller à la source, parce que, wop, d'accord, avec la Chine, c'est la source là et pas Taïwan. Ok, non, on a lié amitié plutôt avec Taïwan. Vous ne comprenez pas. Mais qui t'a pour mettre manger dans la bouche, nous, n'a plutôt qui t'a conseillé de nous faire pression sur nous. Par exemple, Venezuela, n'a voté contre Venezuela. Vous ne comprenez pas. N'a dit, oh là, oui, si. Posé, nous sommes comment? Si comme on est tata de bail pour Ariel Henry, quand elle t'a demandé là aussi, suspend avec bombardement. Nous tellement sous-sous. Elle a gardé nous. Ouais, nous sûr. Le Joe Biden a gardé Ariel Henry qui a fait déclaration ça. Et il a pris. On dit, mais c'est un gars, un petit imbécile, un petit crébété. Et il a pris lui. Nous imbéciles, nous sortons. Nous ne pouvons pas identifier priorité nous. Actuellement, là, nous n'avons pas d'hôpital. La Chine, qui a construit n'importe gros hôpital de niveau standard au besoin, là, dans moins que une semaine. Vous comprenez ça? Mais l'hôpital général, là, depuis 2018, travaux de reconstruction démarrés. Jusqu'à présent, là, il y a une agonie. Quoi, vous comprenez? Jusqu'à présent. Mais pourquoi ça ne va pas chercher côté de la vie, là? Nous ne va pas chercher côté de la vie, là, non? Nous, et dans le mois, là, même, nous pourrons aller. Venezuela, t'es prêt pour banon pile bakop nan question pétrole. Mais qui ça nous fait? Ouais, c'est goumen, n'ap goumen comme si n'ap critiqué Venezuela, n'ap proposition contre li. Et ça fait moi te quoi? Son nécessité jodi là pour Haïti a sorti nan niveau li là. Son nécessité pour nous refaire nation ça, pour nous redéfinir priorité nous. Tant que c'est nèg sa yo qui la kap passe nan tête l'état, tant que c'est nèg sa yo kap décider avenir nous, c'est toujours comme ça nan pied.
Parce que c'est pas nèg qui nèg ça, ils ne sont pas des Haïtiens. OK, il y a toute nation, mais ils ne sont pas des Haïtiens. Vous comprenez ça? Parce que on comprend. Comme on t'a vle nèg la ministre affaires étrangères pour ça qui a passé en Haïti, il pas connait. Et bah, on d'accord avec Victoire Jeunet sur comment ça qui passe en Haïti. On d'accord avec sur ça. Ouais, ouais, nous avons des accords sur toute bagaille. Mais on d'accord avec Victoire Jeunet, pas comme ça qui passe en Haïti. Parce que si monsieur Kakan perd toute bagaille sous contrôle, mais toi, jouer la banque baye kounya là pour mon faire transaction. Ou quand tu te goumek pral gen la banque. Ou quand tu te moun ki pral mouri la banque. Gren sa ka pouvri yo. Sa ka bien chasse pouvri yo parce que gosse yon deux zon la banque pap ka ouvri. Ti gren sa ka pouvri yo, toi gren jou nan semaine. Semaine nan ge 7 jours, 3 jours. Et pa nan plus problème yo voye yo. Et pa goume yo voye al goume. Pendant 3 jours sa, gen moun ki pral oblige kite la ka depuis 4 heures du matin. Pral pon ling bien long. Sous espoir, y a fait transaction pendant la journée. Vous imaginez? Comme si même là, même dans ça, oui, et puis l'autre la capelle tout, tout bagaille globalement sous contrôle. Et en pile dans nous, nous style quoi tout bagaille globalement sous contrôle, oui. Nous quoi dans Charabia Negla, men. M'a connaît. Mais il y a le temps pour que c'est nous-mêmes qui fixons position. Priorité nous. Au Brésil actuellement là, peuple a décidé. Tendez bien ça m'a dit là. Élection présidentielle premier tour qui fait au Brésil Ignacio Lula da Silva, monsieur devant Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro il est de droite. OK. Monsieur c'est nèg américain a supporté etc. Mais Lula da Silva, ta gwa époque, pas du bien. Tegou époque, c'était la chasse à la gauche. Tout le monde qui de gauche, c'est chasser ou tap chasser yo. Par exemple, yo chasse Lula da Silva, yo fait Lula pour un paquet de temps en prison au Brésil. Tendez oui? Lula, c'était quelqu'un de la gauche. Nous là. Mkwa yo te pran en Bolivie, comment président bolivien te rel encore? Ah, mba songe non président bolivien. Yo pran monsieur li même, yo destitué. Comprenez bien? Depuis mon nan goup position gauchiste, c'est Occident qui t'a frappé. Et jodi an la goun l'autre vent qui a soufflé. La Colombie, pour la première fois de son histoire, li rive élu un homme de gauche. Et bah, ti bagay nou ka fait là. Mais Lula da Silva, mais monsieur bat Bolsonaro dans le premier tour là, élection. Monsieur ka tout président, un seul coup de clé au Brésil. A pas pensé. Parce que nous vivons dans un moment aujourd'hui, là, mesdames, messieurs, c'est la fin du règne des capitalistes. Non, c'est clair. Nous vivons dans un moment là, côté que nous tous nous devons admettre et d'accord sur ça. Capitaliste là, il arrive dans le fin. Nèg kap supporter capitaliste tête en bas. J'ai fait mes têtes perdues. Ou même. Qui politique ou va l'adopter? Mais l'élection va venir là. Qui politique ou va l'adopter? Qui est-ce ou va le prendre? Et c'est dans la même période m'a décrit là, là yoté là que deux guidons dans côté Chavez. Jusqu'à ce que arrive touyer Chavez. Parce qu'on connaît c'est empoisonné Chavez. Et ouais actuellement là, Nicolas Maduro n'est qui remplacer Chavez là. Et pas deux persécutions, non si monsieur pas garçon. Non seulement si monsieur pas garçon. Et pas destitué encore, t'as destitué nous. Yo t'as vu une crasse pays à Namel. Parce que t'as eu plusieurs bateaux militaires qui étaient tout près de Venezuela. C'est quand même, monsieur, dit pas de problème pour bombarder. Mais conseil de ville, ma fin avec ça, yo. Qui faut américain poser. T'as eu plusieurs bateaux tout près. On comprend. Pour ça, je dis là, de mon pays, comme si yo pas d'accord marcher tête baissée. De mon président, dans le monde, pas d'accord marcher tête baissée devant américain, la France, Canada. Yo pas bon. Daniel Ortega actuellement la Nicaragua. Monsieur pas la passé, oui. Son l'autre rey. Et nous tout nous devons admettre, nous tout nous devons adopter pour nous dire que son l'autre l'air, son l'autre vent doit souffler actuellement là. Nous devons adapter nous avec ça qu'a fait actuellement là. On garantit, tôt ou tard, rey américain, il y a pour le finir.
Ray États-Unis, Joël a frappé là, c'est lui même qui met monde là. Bagay ça gien pour le fini. Ou a saisi tant de ça et ou a dit on le moi même de dou ça. Et faut le fini. Parce que yo fait monde trop mal. Yo fait monde là trop mal. Go paquet pays. Bon, on imagine actuellement là. Pile moun sa ou kap mouri en Ukraine. Et quoi fort États-Unis, ami? Pile moun sa ou kap mouri en Ukraine là. Parce que c'est eux même kap pousser Vladimir. Yo dit Volodymyrski, ou kap bat la Russie. Yo pousser le devant. Pour propre intérêt yo. Et puis yo même citoyen la kayo safe. Citoyen la kayo bien paisible. Gone gap pile nan nou par rapport avec. Nan vive États-Unis. Ge bagay nou gaza. Ah, m'se parle, t'as parle là. Ok. Gone pile nan nou. Nous ka di ça k'ap di la bagay rien pour avec vérité. Même pa gen ton nou nan tout ça m'di la yo. OK? A nou goumè pou nou konstitue pays nou. A nou bataille pour que nous rive définyon politique pour pays nou. Ki répond à standard pays nou. On en a grand besoin. Et c'est ça nous tout n'ap tann ça nous tout nou besoin mesdames messieurs. Bye bye tout moun, fann kapi la. Ne kontan ensemble avec vous. Nous avons partagé ensemble avec vous, mot sur parole. Vous connaissez déjà, chaque fois nous avons une occasion pour nous faire ça, nous avons toujours fait. Chaque fois occasion offre, nous avons toujours fait. C'est ça nous avons comme mission même. Pour nous ouvrir les yeux sur une série de bagailles, sur une série de situations. Venez chaque jour, à chaque fois. Venez analyser ensemble avec vous. Venez peine réalité à porter le bas exactement chez la passé. Chanel là, c'est Haïti. Réflexions, amis, qui avec vous, c'est Esdras Fizeme. Ou même c'est première fois que tu as chance tomber sous nous kounya la même moi invité activer cloche notification ça veut dire ou abonner et c'est ça qui permet ou toujours rester connecté ensemble avec nous ou toujours rester connecté à toute actualité et puis pas oublier partager liker et puis commenter c'est ça qui permet plus monde rester connecté et avec ça mesdames messieurs travail la lui-même li praler vers l'avant bye bye tout le monde restez positif. N'ap kwaze un peu plus tard pour une autre vidéo.